Bonjour à tous Aujourd'hui on va parler de manette de jeu. Et ma manette de jeu principale, celle que vous voyez trôner fidèlement sur mon bureau pour toutes les vidéos que vous pouvez voir, c'est la manette de jeu de le contrôleur de la Xbox 360. C'est ma manette préférée, j'ai jamais eu de Xbox 360. Par contre, je me suis acheté le, la manette parce qu'elle était compatible PC, elle était filaire, il y en avait aussi une version sans fil. Très pratique, elle m'a jamais laissé tomber, j'ai juste changé une fois les deux pads qui sont assez faciles à changer, il y avait juste le revêtement qui, qui s'usait. Et elle a des centaines et des centaines d'heures au compteur, elle a vu passer je ne sais combien de jeux, elle est toujours aussi costaud, toujours aussi euh, fonctionnelle. Pas de drift, contrairement aux manettes récentes qu'on peut trouver. C'est ma manette préférée. En termes de manettes, j'ai pas mal de manettes chez moi. J'ai même la nouvelle manette de la Xbox One. Euh, mais malgré tout, aujourd'hui, on va parler d'autres types de manettes, des manettes qui n'ont pas grand-chose à voir avec tout ça. Vous vous rappelez probablement le test que j'avais fait de la manette de chez Bido, euh, la NES 30, qui est une manette réplique entre guillemets réplique puisqu'elle n'est pas fidèle, mais elle est quand même assez proche d'une manette de NES. NES qui est ma console de cœur, ma console préférée puisque c'est le la console qui m'a permis de découvrir le jeu vidéo sur console parce que sinon je suis plutôt un joueur euh, PC, Amstrad etc. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble cette manette qui n'est pas une manette toute récente mais qui est la SF30 Pro Bluetooth de chez toujours e Cette manette n'a pas grand chose à voir avec les manettes euh, par exemple Xbox One, PS5 et compagnie. C'est une manette qui est plus versatile, qui a pour objectif d'être euh, multiplateforme et de s'adapter plus à des scénarios comme le rétro gaming ou le jeu nomade euh, même si elle est Bluetooth comme la manette de la, la Xbox One par exemple donc elle peut être reliée à un smartphone, elle peut être reliée à votre téléviseur, à votre streambox, etc celle-ci elle a des petites choses un peu intéressantes et on va en parler dans cette vidéo dans cette vidéo on va pas vraiment euh, l'essayer, l'utiliser ça je le réserve pour une prochaine vidéo, vous verrez bientôt une vidéo qui va sortir sur ma chaîne où on parlera rétro gaming et en l'occurrence on utilisera cette manette-ci pour jouer à des, à des jeux un peu anciens. Ici on va juste se focaliser sur le déballage et je vais vous expliquer dans le détail comment fonctionne cette manette. Et des petits trucs qu'on voit pas nécessairement, une des choses qui est intéressante, c'est par exemple que cette manette a des profils, et aussi que c'est une manette qu'on peut mettre à jour. C'est des choses qu'on ne voit pas régulièrement sur les, sur les manettes et qui sont plutôt intéressantes. Alors on va commencer par l'identification du modèle, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris sur le, cette manette-ci. Euh, chez 8 -do, normalement le... c'est assez facile entre guillemets à comprendre, euh, ici par exemple SF c'est pour Super Famicom et vous avez SN pour Super Nintendo. Et donc SF30, 30 c'est la gamme, euh, SF30 c'est sans... censé être la Super Famicom 30, donc une réplique de Super Famicom, or vous voyez qu'au niveau coloris et au niveau couleur des boutons ça ne correspond pas à du Super Famicom mais à la Super Nintendo, donc la, la version européenne entre guillemets. Euh, je ne sais pas, donc, pourquoi elle s'appelle SF30, alors que je m'attendrais à ce qu'elle s'appelle SN30, celle-ci. Vous me direz en commentaire si vous savez pourquoi. Moi, je pensais avoir compris la logique de chez 8 Apparemment, il y a quelque chose qui m'a échappé. Le pro ici, c'est une amélioration des anciennes SF30 et SN30, parce que, bah, en fait, les commandes ont été décalées vers le haut. On va voir ça dans le détail dès que je vais ouvrir la, la manette. Enfin, dès que je vais ouvrir la boîte de la manette. Euh, les, le d et les 4 boutons ont été décalés vers le haut pour laisser la place à deux joysticks. Euh, un peu comme si une manette de PlayStation et une manette de Super Nintendo s'étaient fusionnées pour donner le, la manette quelque part ultime de l'époque, la manette qui permet de jouer à peu près à tous les jeux. Donc c'est une SF30 Pro Bluetooth, Bluetooth parce qu'elle a à la fois le support sans fil, donc Bluetooth, mais aussi, et on le verra là, le port euh, euh, le port micro USB, en tout cas le port USB-C, euh, qui permet la recharge, qui permet de la connecter à un PC pour la, les mises à jour, plein de choses de ce type là. Alors quand je vous ai dit que c'est une manette versatile, on va le voir au dos c'est écrit aussi sur le devant mais c'est plus lisible au dos, euh, on voit qu'elle est compatible avec pas mal de produits, d'ailleurs tous les produits ne sont pas notés, mais il y a entre autres la Switch, cette manette-ci est une un très bon remplacement ou une très bonne alternative à la manette Switch Pro. C'est une manette qui est un peu plus compacte, qui est aussi autonome et qui est même plus pratique à, à transporter, donc ça peut être une bonne alternative. Elle fonctionne sous macOS ou sur PC, donc c'est pour ça que vous avez Windows, macOS, euh, que ce soit en câblé ou en Bluetooth en fonction de vos, vos préférences. Elle est compatible Steam, mais alors les, les Steam Link et compagnie, j'en ai un, mais je l'utilise plus. Les Steam Links sont un peu euh, en voie de disparition, par contre Steam, l'application Steam existe toujours sur les télés euh, connectées et choses comme ça, donc ça peut être un, un intérêt. Elle est compatible avec les smartphones Android, euh, et puis enfin compatible Raspberry Pi et ça on le verra dans le contexte du du rétro gaming, Box, par exemple, euh, je vous montrerai donc le fonctionnement avec euh, avec une plateforme de, de rétro gaming. Voilà, sinon, en gros, les caractéristiques pour faire simple, ça vous les retrouverez partout dans tous les tests. Euh, vous avez environ 16 heures d'autonomie en jeu, donc ce qui est beaucoup quand même. Euh, L'USB-C, qui est une nouveauté qui était arrivée avec cette gamme-ci, et euh, le manuel d'instruction qui est important à connaître, parce que vous allez voir qu'il y a des profils à cette manette, en fonction de comment vous voulez qu'elle se configure sur le produit que vous voulez qu'elle se connecte, et donc c'est important de, de, connaître le, enfin de, de connaître les combinaisons de touches en fait pour la démarrer, pour choisir le bon profil. Bon à part ça l'emballage est nickel, vous voyez qu'on a des petits, euh, bah des petits visuels en fait de la manette comme elle est dans la boîte, donc si vous l'avez dans un rayonnage, moi bon, je trouve que c'est super bien fait. Pour l'ouverture c'est assez simple, il suffit de la décaler comme ça, ça coulisse, et dedans on a accès à la manette. La manette est protégée par ce, ce petit couvercle en plastique. Donc qui empêchera la manette d'être abîmée. Donc la manette, la voici. Je la mets de côté pour l'instant parce qu'on va aller consulter le, le manuel. Et puis je vais vous montrer aussi un truc que j'adore chez Ubitdo. Euh, qui montre vraiment le, le souci du détail de cette boîte. Et qui est euh, hyper appréciable. Si vous êtes amateur de tout ce qui est euh, rétro gaming, ancienne console et tout ça. Euh, je pense que c'est une marque qui vous plaira. Parce que bah, si vous voulez pas utiliser votre matériel d'origine. C'est quand même une marque qui fait un effort considérable. Pour vous plonger dans le bain du, du retro gaming. Et ici, vous voyez, vous avez un câble USB-C, euh, donc connecteur USB-C, connecteur USB type A euh, de ce côté-là. Câble plat. Donc déjà, c'est pas courant. C'est un câble de recharge et un câble de données, même si ça doit être de, de l'USB 2. Par contre, c'est un câble, vous voyez, qui est gris, euh, gris un peu à l'ancienne, gris un peu vieilli. Euh, câble qui va vous permettre quelque part de conserver cet aspect un petit peu rétro gaming. Alors malheureusement, c'est pas le même gris que le, la manette c'est plus le gris ici vous voyez de la, de la NES 30 ou de ce type là mais quand même c'est une, une belle attention je trouve pour les, les joueurs ne serait ce que ça c'est un détail mais là ça montre quand même que le que la marque a envie de faire plaisir à ses, à ses acheteurs à côté de ça donc le manuel donc ici j'ai une version de manuel international donc je vais essayer de vous trouver la version française donc le manuel c'est pareil vous avez un espèce de papier vieilli. Euh, comme si ça sortait d'une vieille boîte que vous aviez achetée il y a quelques années. Donc ça, encore une fois, c'est une attention tout à fait, euh, tout à fait intéressante. Si vous voulez voir dans le détail ce manuel, je vous conseille d'aller sur internet. Vous avez dans le détail les manuels, les instructions d'utilisation. Euh, moi, je vous le mets ici pour information, avec les informations ici qui vous expliquent comment on démarre la manette en fonction des profils. Et c'est ça qui est super important à comprendre, c'est que cette manette a des profils qui vont être adaptés à la machine sur laquelle vous la connectez. Par exemple, si vous voulez l'utiliser avec la Switch, il va falloir la démarrer en faisant Start plus Y. Donc le bout Vert. et quand vous faites start plus y elle va démarrer dans un profil switch et vous voyez que si on regarde sur la, la manette ici euh, le bouton select et le bouton start ont le petit moins et le petit plus traditionnel euh, des manettes switch donc soit si vous avez les, les deux manettes euh, switch soit si vous avez le, la switch euh, le manette switch pro euh, bah vous allez reconnaître ce petit moins ce petit plus donc ils sont assez traditionnels euh, de, de ces manettes là mais à côté de ça, si vous voulez l'utiliser avec un smartphone Android, bah vous allez faire Start et le bouton jaune, donc le bouton B. Si vous voulez l'utiliser sous Windows, Start plus X, le bouton bleu. Et si vous voulez l'utiliser sous macOS, Start plus A. Voilà, ça ne vous empêchera pas d'utiliser dans d'autres contextes, ça reste du Bluetooth en hein, final, mais il faut savoir quand même qu'elle a des profils qui sont adaptés à la manière d'être euh, utilisée. Vous avez des fonctionnalités particulières, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, là on est dans des modes avancés de la manette mais vous avez des fonctionnalités turbo sur la manette. Vous avez euh, un voyant d'indication de batterie qui a euh, plusieurs couleurs en fonction de si bah, la batterie est chargée, déchargée ou en cours de charge. C'est une batterie de 480 mAh donc c'est pour ça qu'elle a une autonomie d'environ 16 heures en utilisation. En utilisation, je dis bien, donc c'est quand même assez, assez important. Elle se charge entre une à deux heures en USB-C. Donc avec un chargeur classique, c'est du 5 v Et la dernière chose, c'est la veille. Si la manette se retrouve sans connexion Bluetooth pendant plus d'une minute, elle va s'éteindre. Si elle reste 15 minutes en connexion Bluetooth mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, elle va s'éteindre. Et euh, il suffit d'appuyer sur Start pour réveiller la manette et se remettre dans le mode d'activité précédente. Et le dernier point du manuel c'est euh, la mise à jour de firmware, et ça on va voir ça ensemble, je vous montrerai comment ça marche, vous allez voir, c'est hyper facile. Voilà, et puis la manette en elle-même, donc je vous montre grossièrement à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est une manette de, de Super Nintendo entre guillemets, euh, sur laquelle le D-pad et les boutons euh, ont été un petit peu remontés vers le haut, ainsi hein, que les boutons Select et start, de manière à laisser la place à deux vrais joysticks, mais deux vrais joysticks de qualité. C'est des, des joysticks qui sont tout à fait comparables en termes de, de qualité aux joysticks par exemple d'une manette de, de Xbox. Donc ça c'est plutôt appréciable, sachant que la manette reste très plate, donc très transportable. Ça c'est l'autre intérêt de ce, ce type de, de manette, qu'elle tient bien en main. Mais attention, c'est une manette rétro gaming de pour, pour s'amuser on va dire. C'est pas une manette pour des jeux AAA et compagnie, ça pour ça vous avez des manettes comme celle de la, la Xbox, comme je vous ai dit, Xbox One que j'adore, PlayStation 5 j'aime pas trop, mais euh, bon, bah si vous aimez bien, tant mieux. En tout cas, c'est des manettes qui sont beaucoup plus ergonomiques, vous voyez que celle-ci est très compacte, et malgré tout, elle a tous les boutons nécessaires, donc vous avez bien les boutons L et R, les boutons euh, L2 et R2, donc qui seront utiles euh, dans certains cas pour certains types de jeux, vous avez donc les doubles joysticks, les boutons ABXY, donc ça qui seront utiles pour la majorité des, des consoles et la croix directionnelle si nécessaire. Vous avez donc select start, vous avez deux boutons additionnels ici qui sont euh, qui seront par exemple utiles dans certains cas de figure pour par exemple dans du retro gaming des choses comme ça. Les assigner à certaines activités, prendre une capture d'écran, des choses comme ça. À l'arrière, vous voyez que bah, à part le, le souci du détail de Do, euh, toujours de reproduire l'arrière d'un peu en gros d'une d'une Super Nintendo, euh, ça reste très très classique avec la mention de la, la manette en elle-même. Et et ici, on a sur le dessous les quatre voyants qui sont les voyants en fait de, de joueurs connectés. Vous avez là-haut un petit voyant, vous avez là le port USB, et là le petit voyant, le petit bouton de, de synchro pour la partie la partie Bluetooth. Alors on va appairer cette manette en Bluetooth sur mon smartphone. Vous aurez l'occasion de revoir cette manette plus tard hein, en rétro gaming, en utilisation rétro gaming, etc. Et je vous redirai ce que j'en pense. Ici on va faire deux cas d'utilisation, le smartphone et le, le PC. Ici on va commencer avec le smartphone en Bluetooth, donc... Pour ça, bah, on ouvre la partie Bluetooth de son smartphone, puisqu'il faut que le smartphone soit en recherche Bluetooth. Et vous faites Start plus B pour la démarrer en profil Bluetooth pour euh, Android. Donc normalement la manette va apparaître quelque part là-dedans. La voici 8 2 SF30 Pro. Je la sélectionne. Et l'appairage va être en cours. Demande d'appairage, je fais OK. Et à partir de là, j'ai senti une petite vibration sur la manette. On voit en bas. Euh, que la manette a le voyant 1 allumé et euh, bah ici normalement elle est fonctionnelle donc déjà là normalement je suis censé pouvoir l'utiliser vous voyez que je peux euh, naviguer dans mon dans mon smartphone ah, évidemment ensuite vous lancez un jeu et puis vous jouez alors cette manette on peut aussi l'utiliser en filaire moi je vais la, la dissocier ici donc elle n'est plus connectée en Bluetooth je pourrais même couper le Bluetooth si vous ne croyez pas euh, pour ça ici sur un smartphone je suis en USB-C alors malheureusement le câble qui est livré est un câble USB-C euh, vers USB type A donc il faut utiliser ici euh, ce que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire les câbles OTG qui permettent de reconvertir en USB-C et de faire des petites choses supplémentaires. Donc ici, je le branche sur mon sur mon smartphone. On va connecter la manette. Voilà. Puis là, vous voyez qu'à nouveau euh, la manette est fonctionnelle. C'est-à-dire je, je navigue bien dans les dans les menus du, du smartphone et donc vous pouvez jouer également en filaire si nécessaire, même sur des produits comme des, des smartphones, des tablettes, etc. Ça fonctionne aussi en filaire. Ce qui peut avoir un intérêt extraordinaire, c'est de réduire la latence. Parce que même si on est en Bluetooth, même si on est sur des manettes qui sont bien conçues, euh, le Bluetooth ça rajoute un petit peu de latence. Bah, si vous voulez, vous pouvez jouer en pur filaire, même sur des appareils de, de ce type-là. Alors là, je viens de déconnecter la manette euh, en USB. Vous voyez que tout de suite, eh bien, elle reprend son activité de Bluetooth. Et donc, comme le dernier profil, c'était le profil Android, mon smartphone l'a redécouverte. Et donc me propose de la réappairer à nouveau. Donc là, je vais pas le faire. Maintenant, cette manette, je vais la brancher sur le, sur le PC. Cette manette se met en veille. Et se sort de veille par le bouton start. Donc vous voyez ici si j'appuie sur le bouton start, elle, euh, elle démarre. Vous l'éteignez en restant enfoncé quelques secondes, environ 5 secondes sur le bouton start. Vous voyez qu'elle s'éteint. Si vous voulez changer de profil évidemment, vous ne faites pas que start. Vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. Donc start et un des boutons. Ce que je regrette juste c'est qu'il faut mémoriser euh, les profils parce que si vous ne vous rappelez pas par exemple que start et b euh, c'est Android. Il va falloir aller reconsulter la notice à chaque fois, c'est un petit peu dommage. En même temps, ça préserve quelque part le look de la manette de pas mettre des, des icônes à côté de chaque bouton. Euh, ici on va tester une dernière chose, c'est la manette euh, connectée en USB. Donc ce coup-ci, j'ai enlevé l'adaptateur USB C donc connectée en USB directement sur mon PC. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je la connecte. Hop euh, On va voir ici la manette arriver normalement. Voilà. Donc configuration d'un appareil, donc ici on est sous Windows 10, et dans quelques instants vous verrez que le, le produit est, est reconnu. Donc un périphérique qui marche sans avoir besoin de driver particulier, ce qui est plutôt préciable. Alors il y a évidemment des drivers pour qu'ils marchent, mais je veux dire ils sont génériques, donc ils sont reconnus de base sous sous Windows 10. J'appuie ici sur une touche. Alors j'ai la manette ici qui est, qui est connectée, donc du coup la manette euh, Ibido appartient apparaît en, en deuxième, donc on voit pas dans le même détail. Je sais pas d'ailleurs comment on fait sur ce site pour euh, changer les manettes, passer celle-ci en prioritaire. Euh, C'est le, le site qui s'appelle Gamepad Tester, donc gamepad-tester.com si vous êtes intéressé, ça permet de vérifier le, le bon fonctionnement d'une manette de jeu. Donc, ici, on est sur les bits d'eau, et puis vous voyez, quand j'appuie sur les boutons, vous voyez par exemple le bouton B1 qui passe de 0 à 1, le B0 ici, donc le bouton A qui passe bien de, de 0 à 1. Vous voyez les axes ici, quand je touche euh, au, à la manette qui change d'axe. Vous avez aussi des axes qui sont cliquables. Donc, ici, vous voyez, vous avez les axes, axes cliquables, des deux côtés. Donc vraiment une manette actuelle on va dire en termes de, de fonctionnement puisque vous avez aussi L2, je vous le montre ici mais on voit l'axe L2. Donc par contre L2 vous voyez c'est le bouton B8 c'est du 0 ou du 1, c'est pas, pas analogique, donc pour certains jeux ça pourra peut-être éventuellement poser problème, des boutons qui sont là ne sont pas analogiques, donc L1, enfin L et L2, donc L1, L2, R et R2 ne sont pas analogiques. Euh, mais à part ça elle est complète donc elle a vraiment tous les boutons pour, pour n'importe quel type de, de console Et ce qu'on voit aussi c'est du coup comme je l'ai branché sur PC on voit ici le petit indicateur de charge, donc ce qui permet de voir que la batterie est en cours de charge actuellement. Euh, ici vous avez l'indicateur de profil, et euh, comme elle est, est encablée, donc elle ne communique pas en Bluetooth là pour le coup, puisqu'elle est encablée, donc les, les données, donc les commandes passent vraiment par ce câble-là, donc non seulement les, la manette charge, mais en plus les commandes passent ici, donc vous avez la, la possibilité d'avoir une plus faible latence, puisqu'ici on n'est pas en Bluetooth, et en général, même si on est sur de l'USB, vous avez une meilleure latence en la, en la câblant. Voilà en gros ce que je pouvais vous montrer sur la partie connexion PC, donc vous voyez qu'elle est parfaitement fonctionnelle, parfaitement reconnue. Euh, je pourrais lancer un jeu et vous montrer que ça, ça fonctionne. Il euh, n'y a pas de, de souci particulier. moi les jeux du moment auquel je joue, c'est ce genre de jeu, dont Assassin's Creed et tout ça. C'est pas le genre de jeu qui sont faits pour ce type de manette. Hein. Vous allez fatiguer à jouer sur une manette de ce format-là, puisqu'elle est compacte. L'ergonomie des Super Nintendo de l'époque n'a rien à voir avec l'ergonomie d'une manette Xbox ou Xbox One. On est sur quelque chose de plus ancien, mais en même temps, quand on fait du retro gaming ou quand on joue à des vieux jeux, l'expérience de la manette est aussi hyper importante. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir une manette qui ressemble aux manettes d'époque, que ce soit comme moi quand on joue sur euh, sur un équivalent NES. Ou alors quand on joue sur un équivalent Super Nintendo, c'est bien d'avoir des manettes qui ressemblent aux manettes de l'époque, que ce soit en termes de look, en termes d'ergonomie, avec éventuellement quelques petites adaptations, comme c'est le cas ici de la version Pro, euh, avec les, les pads analogiques pour être compatible avec la majorité des, bah, des consoles du marché. Pour être complet et vous montrer que ça fonctionne bien, je vais jouer à deux jeux, un jeu rétro et un jeu récent. Euh, en jeu rétro, j'ai choisi euh, Disney Afternoon Collection, donc on va jouer à Ticket Tac 2. Euh, la manette en elle-même, je vais la démarrer, donc je vais y jouer sur PC, donc je vais la démarrer dans le mode PC. Alors pour la démarrer, je vous l'ai dit, on la démarre en mode PC euh, Bluetooth, donc on fait start plus X, puisque X c'est le raccourci pour le, le profil euh, PC, donc on appuie comme ça start plus X, et on voit en dessous normalement qu'on a les deux voyants de gauche qui s'allument. Puis on la branche en USB si on veut la l'utiliser en filaire, moi c'est mon cas, je vais l'utiliser en filaire. On va voir Windows qui réagit, et en fait ce contrôleur-ci va être visualisé, va être vu comme un contrôleur de, un contrôleur Xbox 360. Voilà, vous voyez qu'il y a deux manettes ici. Donc la manette, la première qui est, man... est appelée Xbox, en fait c'est la manette Xbox 360 que j'ai ici, que je ne vais pas utiliser pendant ce... ce test. Et la deuxième manette, celle qu'on voit en dessous, bah c'est la manette, alors qui n'a pas de nom, je pourrais la, je pourrais la nommer, et c'est cette manette-ci qui a un profil en fait manette Xbox 360, donc compatibilité complète avec tous les jeux. Donc, on va démarrer le petit jeu de, de rétro gaming, que vous puissiez quand même voir à quoi ça ressemble. Un autre truc qu'il faut faire attention, c'est que vous voyez, vous avez ici appuyé sur A pour commencer. Donc, en fait, il faut appuyer sur la touche B. La touche B et la touche A, parce qu'en fait, si on regarde la touche euh, A, c'est la touche du bas ici. Et le layout euh, de la manette, euh, euh, de la manette euh, SF30 Pro, c'est le même que le layout d'une manette Xbox 360 pour ne pas vous perturber. Mais du coup, les codes couleurs et les lettres ne correspondent pas, puisqu'on a les codes couleurs et les lettres. D'une Super Nintendo. Voilà donc méfiez-vous de ça, euh, ne vous trompez pas sur les boutons, c'est normal, c'est pas un bug, c'est parce qu'on est en profil Xbox. Donc je vais lancer le jeu. Donc on est dans le principe de l'émulation ici, mais euh, évidemment sous PC, dans un pack de jeux dédiés, euh, on pourrait aussi jouer sous Recallbox. Donc ici on a bien le fonctionnement, bouton start, un joueur, je peux valider, je choisis Tic parce que j'ai toujours choisi Tic quand je joue à Tic et Tac. Voilà, et on peut jouer. Euh, ici on a une réactivité euh, de la manette qui est euh, similaire à la, la manette d'époque. Alors évidemment au niveau ergonomique, euh, pour jouer à ce type de jeu, je vous conseille plutôt une manette qui ressemble à une manette euh, NES, puisqu'on est sur un jeu NES ici. Euh, mais cette manette là fait tout à fait l'affaire, le toucher des boutons est similaire à la manette Super Nintendo. Euh, elle est super active cette manette, donc vraiment euh, très agréable à jouer. Et puis, euh, bah, pas de souci de lag ici, parce qu'en plus je suis, en... je suis directement en USB, donc il n'y a évidemment aucun souci. Voilà, donc ça c'était pour la partie rétro. Euh, moi j'ai joué avec cette manette, j'ai fini quasiment, j'ai fait 3-4 niveaux de ce jeu là. Euh, elle fonctionne hyper bien. Et ce qu'on peut noter aussi, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez des boutons supplémentaires. Je vous en ai parlé tout à l'heure ici. Et si j'appuie dessus, vous voyez que ça c'est le, le bouton Xbox. Donc l'équivalent en fait de ce bouton qui est là. Euh, donc c'est hyper pratique puisque du coup, si vous avez branché, si vous avez connecté euh, cette manette sur un PC, bah, vous avez accès au bouton Xbox. Mais dans les jeux de rétro gaming. Recallbox et autres, ces boutons-là pourront vous servir à d'autres choses. Et donc c'est super pratique d'avoir des boutons ici faciles d'accès, mais qui ne dépassent pas. Puisqu'ils sont ici plats, quasiment, hein, ils ne dépassent pas. Et donc du coup, ils ne gênent pas à l'usage, mais ils sont là et ils vous permettent d'avoir des, des raccourcis supplémentaires, dont par exemple les touches Xbox. Deuxième jeu auquel on veut jouer, Assassin's Creed Valhalla. Euh, ici on est sur un jeu récent, donc je vous le redis, c'est pas du tout une manette qui est adaptée pour ce type de jeu. On peut y jouer. Mais c'est pas fait pour, c'est pas l'ergonomie de, des manettes modernes et ça va pas être confortable sur le long terme. C'est juste pour vous montrer que dans son profil euh, Xbox 360, vous pouvez jouer à tout type de jeu euh, et euh, bah là les, les mêmes touches qu'une qu Xbox 360, donc c'est tout à fait possible de jouer à un détail près. Donc on va lancer une, une partie. Alors toujours, faites attention au layout des touches. Hein, c'est comme euh, dans l'exemple précédent, euh, les couleurs et les, les noms des touches ne correspondent pas. Vous avez le layout d'une manette Xbox. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que si je prends l'arc, je peux faire un tir de flèche euh, euh, faible comme ça, ou un tir de fort, un tir de, de flèche chargé, donc fort. Euh, par contre, vous euh, voyez cette manette là n'étant pas analogique, euh, c'est soit j'appuie longtemps et ça fait un tir faible. Euh, ça fait un tir fort, plutôt soit j'appuie un petit peu, ça fait un tir faible. De la même manière, cette manette vibre. Alors vous l'entendrez pas, mais la manette a deux capacités. Elle a la capacité de vibrer et euh, les moteurs de vibration sont plutôt corrects. Pour une manette de cette taille-là, euh, les, les vibrations se ressentent bien. Elle a une autre, euh, une autre chose en plus des vibrations c'est qu'elle a un motion control, donc euh, détection de mouvement. Alors ça, je pense que c'est uniquement pour les, euh, euh, les, les switches. De, de Nintendo, je pense qu'on peut pas l'utiliser dans d'autres contextes, en tout cas j'ai pas pu l'utiliser sur, euh, sur PC. Donc si vous pouvez, euh, si pouvez l'utiliser sur PC tant mieux, moi j'ai pas vu le, la possibilité. Je vais vous montrer vite fait quand même qu'on peut jouer sans problème. Vous voyez, il n'y a absolument aucun souci. Je joue ici au pad analogique, pads analogiques qui sont euh, qui sont tout à fait de qualité. Euh, je peux passer au galop quand je suis en cheval euh, en appuyant ici sur le, le pad analogique. Donc on voit que le cheval passe au galop. Euh, et puis il n'y a aucun souci. Quoi. La, la manette est hyper active. Alors ici je suis en filaire, donc en plus j'ai une autonomie limitée euh, puisque on voit ici le petit voyant la manette est en train de charger en même temps. Euh, donc ça va me permettre de jouer pendant des heures, et des heures sans avoir besoin, le, sans avoir le moins de soucis. Mais je peux aussi débrancher la manette. Et euh, l'utiliser ensuite euh, facilement pour en euh, bah, sans fil, toujours dans un profil Xbox 360 sans fil. Voilà, donc en gros, il n'y a pas grand chose à en dire. Vous euh, voyez que je peux jouer à l'arc, je peux tirer à l'arc. Par contre, euh, à part l'absence la, de ces sticks analogiques, qui vont surtout être gênants d'ailleurs pour les jeux de les jeux de voiture, les trucs comme ça, euh, sinon, c'est une manette qui peut même faire l'affaire pour dépanner, pour jouer à plusieurs sur des jeux modernes, puisque je vous ai montré elle est compatible avec les, les profils du moment. Voilà en gros ce que je pouvais dire même sur un jeu récent, donc c'est une manette qui a du sens. Maintenant attention, donc vous voyez qu'au niveau ergonomique on n'est pas du tout sur la même approche qu'Xbox, donc voilà. En gros, même si le budget de ces manettes est le même, gardez à l'esprit que cette manette là, je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais cette manette là n'a pas la même vocation que cette manette là, donc il faut utiliser chaque manette pour ce pourquoi elle est faite, et c'est pas parce qu'elles font le même prix qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, elles ont des cibles différentes, et bah faut s'adapter en fonction de en fonction de tout ça. Alors, on va parler également firmware de cette manette, parce que c'est super important de savoir que cette manette, vous pouvez aussi la mettre à jour si nécessaire. Alors, faites attention, le site 8 fr qui est officiel, c'est en fait le site de l'importateur France de 8 euh, Si vous préférez aller voir sur ce site-là, vous pouvez. Vous verrez les produits adaptés au marché français de, de la marque. Mais si vous allez dans firmware, vous verrez qu'il vous renvoie vers le site euh, international de 8bitdo, qui est le site 8 dans la catégorie support. Alors, 8 Aidbitdo... C'est une marque qui est sérieuse, vous voyez par exemple qu'ils ont des manettes spécifiques pour Xbox, même si c'est en gros le même produit, hein, vous pouvez l'utiliser cette manette-ci pour les jeux Xbox, euh, jeux Xbox de voyage, on va dire, donc vous avez le petit adaptateur, le petit clip, alors qui n'est pas spécifique pour la, la version Xbox, hein, il existe aussi pour la version de, que je vous montre, donc la, la SN30 ou la SF30. Vous avez ce petit clip qui vous permet de fixer votre smartphone et vous pouvez jouer dis à distance sur une console Xbox. Vous avez toutes les manettes du moment qui sont euh, listées ici. Donc en particulier, vous avez l'équivalent euh, de la Switch Pro mais en version d'eau, avec le look, euh, le look euh, Nintendo euh, ou le look Famicom. Vous avez des versions Mega Drive ou équivalente Mega Drive, etc. Donc vous pourrez trouver sûrement des manettes de votre goût. Elles ont toutes à peu près les mêmes qualités en termes de, de finition. Et si on descend, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont intéressants, puisque même les produits qui ne sont plus en activité ont toujours des firmwares et des manuels disponibles. Donc ici, je vous ouvre par exemple le manuel de la NES 30. Vous voyez que le manuel est toujours disponible. Vous pouvez toujours la mettre à jour. D'ailleurs, j'ai pas regardé, si ça se trouve, il y a des nouveautés. On voit ici, par exemple, qu'ils ont sorti un firmware 4.20 qui a, sorti des, des, qui a résolu des problèmes d'input lag avec le jeu Super, Super Smash Bros. Donc c'est intéressant de voir que même continue à mettre à jour des produits. Et que euh, ce sont des produits qui se mettent à jour. Et c'est important de les mettre à jour si vous voulez maintenir des compatibilités maximales avec les produits que vous utilisez. Donc nous on est sur une manette, alors on pourrait croire ici que euh, c'est celle-ci, mais en, en fait celles qui sont commercialisées en ce moment, c'est les SN30 et euh, SN30 Pro USB. Donc nous, la SF30, puisque j'ai une manette SF30 Pro, elle est ici. Euh, bah On retrouve bien le manuel que je vous ai indiqué. Donc c'est le manuel que je vous ai montré à l'instant, euh, multilangue. Alors ici malheureusement, d'ailleurs, dans la version en ligne. Euh, J'ai l'impression qu'il n'est disponible qu'en en chinois, je pense que c'est du chinois et du, de l'anglais, il euh, n'y a pas la traduction française donc vous ferez attention euh, de conserver votre manuel si vous voulez absolument la, la version française. Et vous avez aussi les firmwares avec les différentes, euh, les différentes informations de mise à jour. Donc vous voyez qu'actuellement euh, le firmware est en version euh, 1.34. Alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas téléchargeable, donc je vais prendre le, le 1.33 pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, si on ouvre le manuel, donc vous avez euh, les informations en chinois et en anglais. Donc ici, vous prenez euh, en anglais, on vous explique que c'est la version euh, 1.33 du 25 novembre 2019, optimisation de la connexion Bluetooth, euh, ajout d'une fonction de pairing en USB pour la, la switch et euh, correction de l'indicateur de batterie pour la switch, donc quand elle est connectée sur la switch. Et on dit ici, pour la mettre à jour, les consignes c'est d'appuyer sur L1, R1 et Start. Donc là, je le fais à une main. C'est pas forcément facile. Normalement vous allez avoir le voyant au-dessus qui clignote. Donc on le voit ici, il se vient clignoter. Donc vous prenez le câble, vous le branchez toujours sur un, un ordinateur. Voilà, La manette va se mettre en mode 8 do, donc en mode euh, acc enfin, accessible de, en termes de firmware, donc on pourra la mettre à jour. Donc là on le voit qu'elle a été reconnue. Donc elle est, elle est sous est un format générique, c'est normal. Donc là elle est prête à être mise à jour. Et ensuite on suit les instructions, donc on l'a connectée, on fait euh, USB Upgrade. On cherche le, le firmware et ensuite on n'a plus qu'à dé, débrancher le, le gamepad. Donc je fais ça tout de suite, je vous montre ce que ça donne. Donc on fait exécuter. Alors là c'est normal, c'est l'application qui n'est pas signée. c'est normal, c'est pas normal, mais euh, l'éditeur aurait dû signer l'application, mais je peux vous dire qu'elle est sans risque, puisqu'elle vient directement du site, donc il n'y a pas de, de risque particulier. Donc on peut accepter. Mais faites attention hein, si vous savez pas d'où vient l'application, surtout vous n'allez pas plus loin. Et euh, ensuite, il va falloir sectionner ce, ce fichier-là. Donc le fichier je l'ai mis sur le bureau, je fais USB Update, je vais choisir le petit fichier qui est là, je fais ouvrir. Euh, new Firmware is 1.33, Current is133, donc moi j'ai pas besoin de le mettre à jour. Vous, si vous avez besoin de le mettre à jour, vous faites OK. La manette va se mettre à jour et vous avez plus qu'à la débrancher quand le process est, est terminé. Donc vous la débranchez et la Ouh. manette va récupérer son statut d'origine, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de, de clignoter, et euh, bah vous pourrez, ou vous l'éteignez, si vous voulez pas la mettre à jour, que vous voyez que vous êtes déjà à jour vous l'éteignez et ensuite vous pourrez l'utiliser normalement. Voilà en ce qui concerne l'utilisation de base, la mise à jour de la manette, j'espère que vous avez vu donc c'est pas très compliqué en termes de, de fonctionnalités. Euh, pour le reste ça reste donc ce que je vous ai dit une manette compacte, vous voyez ici euh, la manière dont je la tiens, c'est une petite manette dont l'ergonomie le, est un peu datée. Elle n'est pas datée parce qu'elle est mal conçue, elle est datée parce que c'est un hommage aux manettes d'origine. Et donc forcément, elle est, elle est petite, elle est compacte, mais elle a aussi ses avantages d'être facilement transportable et de vous reproduire l'ergonomie de l'époque. Ça se joue au millimètre près hein, en termes d'ergonomie. Alors si ce n'est ici euh, les, pads qui, les, les deux pads qui ne sont pas d'origine, mais sinon pour le reste, euh, c'est les tailles et les, 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 les emplacements quasiment des boutons d'origine. Donc ça vous permet de retrouver un petit peu l'ergonomie le, d'époque. Et donc si vous vous replongez dans des jeux un peu anciens... Euh, même euh, même sur des jeux plus modernes, mais en tout cas, sur, surtout sur des jeux plus anciens, vous allez retrouver l'ergonomie de, de l'époque. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur mon écran, puisque je vous ai mis euh, Amazon, et puis on va regarder le, le prix des manettes à Ibido. Alors, évid évidemment, Ibido, c'est devenu, entre-temps, une grosse société de, qui fabrique beaucoup de matériel de, de jeu. donc vous avez un tas de produits que, que ça va du, du récepteur Bluetooth USB aux manettes euh, qui sont vraiment super sympas pour la, la Switch à des tarifs abordables hein, en tout cas compétitifs par rapport à ce que peut faire euh, ce que peut faire Nintendo alors le problème c'est que la manette que je vous montre ici la SF30 Pro normalement vous ne la retrouverez plus euh, sur euh, sur Amazon donc en gros même si je la trouve géniale cette manette là euh, bah, vous ne pourrez pas l'acheter sur, euh, sur Amazon. Donc vous allez vous dire cette euh, cette vidéo je l'ai vu je l'ai vu pour rien. Bah pas forcément euh, parce que il y a des manettes tout à fait équivalentes, euh, tout à fait ressemblantes, comme la SN 30 Pro euh, que vous retrouverez sur euh, sur Amazon puisqu'elle est ici. Donc voilà c'est juste que la version euh, Super Nintendo, alors je crois même que Hidbido a eu des soucis avec le code couleur parce que c'était vraiment trop proche du Nintendo. Donc on leur a demandé de changer certaines des manettes. Je ne sais pas si celle-ci en faisait partie. Mais en tout cas, euh, bah, vous pourrez trouver l'équivalent, euh, mais en version euh, en version Super Famicom. Sinon vous avez les versions euh, remasterisées, je dirais, ces manettes-là, euh, qui sont ressorties. Donc vous avez ces, ces versions aussi euh, qui peuvent être trouvées. Voilà. Et puis je vous conseille de regarder sur, des, sur, le, sur Amazon ou d'autres sites les produits et de d'eau, parce que vous avez vraiment multitude de, de manettes bien conçues et puis si vous avez des, des envies particulières d'émulation comme euh, bah, jouer à la Mega Drive vous avez des manettes spécifiques qui reproduisent euh, bah, l'ergonomie de, des manettes d'époque donc c'est vraiment l'idéal je trouve même si c'est un petit budget hein, d'avoir les manettes de chaque, euh, de chaque console entre guillemets euh, ça permet d'avoir euh, peut-être une seule plateforme de rétro gaming ce qui permet d'éviter d'avoir abîmé endommager les jeux d'époque, etc., peut-être des, des, des facilités euh, d'utilisation, mais quand même d'avoir l'ergonomie de, de, de la manette de l'époque, et donc de conserver quelque part cette, euh, cette nostalgie-là. Concernant la SF30, les avis sur Amazon sont dithyrambiques, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, puisque il les... y a de la triche sur les avis Amazon, mais si vous regardez les différentes vidéos de test, etc., même les retours utilisateurs, vous verrez que les retours sont extrêmement bons euh, sur cette manette. Sachez que cette manette-là n'a rien à voir avec les petites manettes pas chères, euh, Bluetooth qu'on peut trouver... Euh, alors évidemment vous pouvez en avoir deux pour le prix d'une euh, si vous tapez dans la manette comme ça de, de, de Look euh, Super Nintendo. Mais en termes de finition, d'ergonomie, de firmware, de compatibilité, ça n'a strictement rien à voir. Alors on va parler quand même de manettes qui sont disponibles parce que celle-ci malheureusement pour le moment ne l'est pas. En manette similaire disponible, vous avez la SN30 qui est la manette ciblée, euh, ciblée Xbox qui elle est prévue pour fonctionner sur les, les Xbox. On voit qu'en termes de look, bah, elle essaye pas de reproduire des manettes du passé. On voit que le, par contre les boutons sont bien à leur place. Elle a le petit support aussi de smartphone si vous voulez jouer à distance sur votre Xbox. Donc c'est plutôt sympa. C'est je pense un choix intéressant. Elle est vraiment c'est un produit qui est certifié euh, qui est certifié Xbox donc qui est super intéressant si vous voulez jouer euh, soit sur des jeux anciens. Puisque sur la plateforme Xbox, vous avez aussi accès à des jeux anciens, soit directement sur smartphone à distance. Euh, si vous voulez la manette qui est similaire à la SF30 Pro, mais en version donc, euh, Super Famicom, bah, c'est celle-ci. Celle-ci, par contre, elle est toujours en vente. Donc vous voyez qu'il y a les deux versions qui sont disponibles euh, chez le vendeur qui s'appelle Lingwang. Alors faites attention parce que c'est bien marqué expédié et vendu par euh, Lingwang. Donc choisissez la SF30 Pro, euh, qui est vendue mais expédiée par Amazon. Passez toujours au moins par ce canal là parce que si vous n'avez pas l'expédition Amazon, déjà le produit vient sûrement de Chine, vous allez attendre une éternité avant qu'il arrive, et si jamais il y a un souci, vous n'aurez pas l'assistance la... d'Amazon quelque part pour faire le, le retour du produit. Donc c'est un produit qui coûte 56,99€. On peut l'avoir un petit peu moins cher hein, dans les suivis de prix, etc. Je vous en parle souvent, vous pouvez regarder, c'est des... des manettes qu'on retrouve de temps en temps en promotion euh, dans des tarifs inférieurs, je dirais entre 35 et 40€. Mais on va parler du prix ici, c'est effectivement un prix un peu élevé, sachant que pour le même prix, voire même moins cher, vous avez des manettes Xbox, etc. Mais je vous l'ai dit, c'est pas le même public, c'est pas la même cible, c'est pas la même compatibilité non plus en termes de, de produits sur lesquels on peut connecter. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de la mettre sur la Switch, cette, cette manette. Donc c'est intéressant, à vous de voir si vous avez le budget, si vous voulez mettre le budget pour ce type de, de produit, c'est à vous de le décider. On peut l'avoir un petit peu moins cher. Hein, cette manette, vous regardez sur Amazon, vous verrez qu'il y a d'autres manières de se la procurer un petit peu moins cher. Ça dépend ensuite comment vous voulez l'acheter. Euh, mais en tout cas, moi, je trouve que pour le, le tarif auquel elle est vendue, bah, c'est pas du vol. Elle est un peu chère, mais elle, elle est bien conçue et elle a vraiment de, de bonne qualité cette manette. Donc à vous de voir ensuite si vous en avez besoin et si elle vous plaît. Voilà. Bah, en tout cas, c'était ce que je pouvais vous dire de cette manette SF30 Pro. Euh, ici euh, Bluetooth plus USB, euh, ce sont vraiment des produits hyper bien conçus, super costauds, euh, qui n'ont rien à envier. C'est vraiment pas des, des gadgets. Hein, ces ces manettes-là, les, 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 les pads etc sont de qualité, les boutons sont de qualité. C'est des produits qui sont faits pour durer, pour être utilisés. Donc c'est pas des produits que je peux, enfin euh, c'est des produits que je peux sans problème vous, vous recommander. Euh, moi je suis par exemple hyper content de cette petite manette de sa, cette, cette NES 30 déjà elle, était, elle a été maintenue très longtemps elle fonctionne toujours aussi bien c'est euh, le même principe sauf que le, le port est micro USB, elle est filaire et elle est Bluetooth, elle marche super bien elle me permet de garder vraiment euh, l'ergonomie de l'époque avec les boutons de l'époque et c'est ça que je trouve le plus important avec ces manettes là c'est de reproduire l'expérience rétro gaming, quelle que soit la, la plateforme à laquelle vous jouez. Donc, nous, on va faire un test de Recallbox dans un futur proche. Donc, vous, vous reverrez cette manette-là avec Recallbox. Mais je vous ai dit, hein, que ce soit smartphone, PC, euh, console, vous pourrez utiliser cette manette-là. Elle sera appropriée. Mais attention, c'est euh, juste au niveau ergonomie. Il faut être bien conscient que c'est une manette qui reproduit l'ergonomie de l'époque et que c'est pas fait pour jouer pendant des heures, comme une manette Xbox 360 ou une manette Xbox One. Voilà, bah j'espère en tout cas que ce que je vous ai montré de cette manette-ci vous a intéressé, parce que ce n'est pas des choses que j'ai vues dans beaucoup de tests. J'ai pas vu beaucoup d'exemples où on montrait de la connexion filaire, de la mise à jour de firmware et tout ça. Donc j'ai essayé de focaliser ma petite vidéo sur les choses qui me paraissaient importantes de cette manette-là. Pour le reste, d'expérience de jeu, je pense que depuis le temps, il y a des gens qui ont pu vous partager... Euh, tout ça en vidéo, donc au moins comme ça vous aurez une idée un peu complète de ce qu'est capable de faire ce type de manette. Voilà bah on se retrouve bientôt dans un contexte rétro gaming pour l'utilisation de cette manette là, bah en vrai, sur des, des vieux jeux, et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, au revoir